chacun prie le Seigneur. C'est que tu puisses nous guider, Seigneur. Que tu restes avec nous. Parce que la tempête est grande. Nous sommes dans un monde où il y a plein de ténèbres. Il n'y a qu'une seule sécurité. C'est la parole révélée. Seigneur Jésus, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner totalement à ta volonté. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui connais la fin de toutes choses. Tu connais l'issue de ces chemins. Et nous avons la foi que ces chemins nous amènent à la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, tiens notre foi, que nous ne puissions pas faillir comme Pierre en regardant la tempête. Il a marché certainement sur l'eau. Et la foi a commencé à défaillir. Il a commencé à s'engloutir. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Fortifie la foi de chacun. Même si nous sommes devant des problèmes difficiles, mais accorde-nous la force de surmonter toutes les preuves. Parce que Seigneur Jésus, à la fin de tout cela, une couronne nous sera donnée. Nous nous remettons entre tes mains. Conduis-nous pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu ye moninga na bato na mage aso bimagila na ye bonanga ipena yo zambe atali pe Yango bolo ayabila itang
kake salbo pena dilembo sambo zamba monisima bomba nyoso yemana nina oba hoya sambo o Yembala nandi le isango malamu nyoso eloko mokote yo mote ya sango malamu oyo te akaka oyo elobi kolo pelo moko nandi atango na suka di makaka oyo elobi kolo yembala nina Que Dieu bénisse chacun de vous. Et je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour un mot de prière. Prions le Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, oh Nzambe Molingami, nous avons encore dans notre cœur cette commémoration de Pâques. Oh Dieu, cette heureuse et bonne nouvelle de savoir que Christ est ressuscité. Et puisque tu vis, Seigneur, nous aussi nous vivrons. Car notre vie nous la tirons de toi. Bénis la parole qui sera lue. Bénis les Écritures. Et dépose ta parole dans nos âmes. Et laisse-nous nous réjouir en toi. Et chacun soit connecté. Les âmes élevées dans le lieu céleste. Nous croyons que tu le feras. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans Romains 8. À partir du verset 11. Romains 8. Baloma mokapo ya mwambe. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous faisons la lecture. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Bisoko molimo ya yeoyo asekwisaki Yesu kati na bakufi efandi kati na bino. Celui qui a ressuscité Christ d'entre le monde rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous vivons selon la chair,
Si vous vivez selon la chair, soko bozali kobika na lolenge ya mosuni, vous mourrez. Bozali kokufa. Mais si par l'esprit, kasi soko na nzela na molimo, vous faites mourir les actions du corps, bozali koboma misala nyonso oyo ya nzoto, vous vivrez. Bokobika. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie d'être venus nombreux écouter la parole de Dieu. Et ceux qui suivent au loin, je les remercie également. Et mes remerciements vont également à notre pasteur. Celui qui a permis que je puisse me tenir devant vous, son peuple. J'espère que vous vous sentez bien. Bien qu'il fasse un peu chaud pour moi, mais nous allons passer quelques temps de bénédiction dans la parole de Dieu. L'intitulé ou le sujet de ma prédication, c'est l'impact de Pâques dans notre vie. L'impact de Pâques dans notre vie. Parce que nous avons appris que Christ, en vivant, il nous a aimés. N'est-ce pas? Amen. Amen. Christ a vécu. Christ a cela est déjà accompli. En mourant, il me sauva. Christ est mort une fois et c'est tout. Christ a c'est déjà accompli. Enseveli. Il emporta mes péchés au loin. Là dans les Hadès. Au point que cela a été jeté dans la mer de l'oubli de Dieu. Et cela a été accompli. Christ est ressuscité. La bonne nouvelle de Pâques. Il est ressuscité une fois pour toutes. La tombe est restée vide. Il ne reviendra plus mourir. Non, l'œuvre a été accomplie. Car à la croix, il s'est écrié. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout ce qu'il devait accomplir selon les Écritures dans sa première venue, il est venu et il a tout accompli. Il pouvait même regarder les gens et leur dire: qui m'accusera de péché? Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Mais il reste une chose. Il est ressuscité. Mais s'il est ressuscité, mais c'est pour revenir. Amen. Amen. Parce qu'il avait fait une promesse. Les autres, nous pouvons voir. Que ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Mais Christ est revenant. Dans sa seconde venue, cela n'est pas encore accompli. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train d'attendre. Chaque jour qui passe, nous sommes en train de veiller. Est-ce que c'est le jour du grand départ?
Quand nous dormons, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Parce que si l'enlèvement venait pendant que je serai endormi, que tu sois enlevé. Amen. Amen. Parce que le sommeil ne fera pas obstacle. Car il a été dit, les deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc, même dans notre sommeil, rien ne fera obstacle. Pourquoi? Pourquoi rien ne fera obstacle? Parce que si vous avez cette puissance vivifiante en vous maintenant, c'est cette puissance vivifiante, cette puissance de la résurrection qui vous fera participer à l'enlèvement, à la résurrection, la même puissance qui avait ressuscité Christ est appelée à être en toi et en moi maintenant. Sinon, quand tu dors, l'enlèvement s'est produit, tu continueras à dormir parce qu'il n'y a pas cette puissance de résurrection en toi. Mais s'il y a cette puissance de résurrection en toi, alors tu es heureux parce que nous sommes là en train d'attendre. Nous sommes dans l'expectative. Nous désirons ardemment, alors ardemment quitter ce monde et le rencontrer quand il paraîtra dans les airs. Parce que les choses de ce monde, tous ces biens de ce monde ne représenteront pas plus rien du tout. Parce que déjà, pour les chrétiens, ces richesses, ces choses du monde, Paul les a regardées comme de la boue. Et même Moïse, quand il a été appelé, quand il a vu la gloire de Dieu, quand il a saisi le message, l'appel de Dieu, le trône de Pharaon, la plus grande puissance du monde, le palais royal, les femmes, les plaisirs, l'habillement, les maisons, la gloire humaine ne représentait plus rien. Il a choisi Christ. Amen. Souffrez pour un peu de temps. La gloire à venir n'est plus pour longtemps. Demeurez dans la parole. Continuez à marcher. Je vous encourage, bien aimés frères et sœurs. Beaucoup de professions ont été accomplies. Et il nous reste l'enlèvement de l'épouse. Soyons ancrés dans cela. Alléluia. Que le monde ne nous trompe pas. Certainement. Solo. Quand nous venons à l'église, bien-aimés frères et sœurs, ne nous arrêtons pas à l'église. Amen. Amen. Ne nous arrêtons pas à l'église. Oh mon Dieu. Ne nous arrêtons pas à l'église. Mais progressons pour rencontrer Christ et avoir cette puissance vivifiante. Ok, je vais lire la parole de Dieu pour avancer comme nous l'avons chanté. Le sceau de Pâques. Du 10 avril 1965, je prends le paragraphe 40, je peux commencer par 45. Il s'agit de nous qui étions morts dans les péchés, nous qui étions morts dans les offenses. Alors cette parole nous est adressée. Frère Banam dit ceci. Je me pose la question aujourd'hui.
quant à ce qui est en train d'arriver, est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Il nous faut les amener à Christ. Où se trouve la puissance vivifiante? C'est bien d'aller à l'église. Certainement. Si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais de l'église, continuez jusqu'à Christ. Parce qu'il faut absolument... Amen. Le mot Amen. Solo solo, j'ai absolument que vous receviez cette puissance vivifiante. Si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale, en effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi, fera, rendra la vie à vos corps mortels. Quelle promesse pour nous! Amen. Amen. Maintenant, remarquez l'essence même de cette résurrection, c'est d'exprimer, de démontrer et de prouver que Jésus est ressuscité des morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Il vit ici. Il est en nous. Je serai avec vous. Et même en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Oui, quand nous voyons Marc 16, tel qu'il a promis, nous savons qu'il est là, au milieu de nous. Quand nous voyons les malades être guéris, nous savons que personne sur cette terre ne peut guérir la maladie. Le même le médecin, il soigne. Il ne peut pas guérir. Le seul qui peut guérir, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons le Saint-Esprit venir habiter dans mon cœur, habiter dans ton cœur, habiter dans le cœur du chrétien, alors nous savons, nous avons cette assurance qu'il est ressuscité, parce qu'il avait promis qu'il viendra, qu'il sera avec nous et même en nous. Donc Christ doit être en nous. Alléluia. C'est sa promesse. Afin que ton âme soit vivifiée. Quand l'âme est vivifiée, le corps, quand viendra la résurrection, ce corps revêtira un corps incorruptible, revêtira un corps qui ne connaît pas la mortalité, revêtira un
corps. Et moko. Alléluia. Alléluia. Qui aura la puissance de l'immortalité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Pour nous, Christ, ce n'est pas une légende. Pour nous, Christ, ce ne sont pas seulement des écrits. Pour nous, Christ, c'est l'Esprit vivant au milieu de nous. Pour nous, Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans le cœur du croyant. Et ça devient réel. Donc, le croyant, le chrétien, marche avec la preuve de la résurrection de Christ. Et Christ continue son œuvre au milieu des siens. Oh, c'est merveilleux. Quelle bonne nouvelle pour les chrétiens. Et s'il est revenu en toi, c'est pour que tu ne vois plus jamais la mort. Même si tu mourais dans la chair, la résurrection va ramener ce corps-là. Alléluia. Oh, quel bonheur pour les croyants. Quelle espérance pour les chrétiens. L'incroyant n'a pas cette espérance. Alors il peut vivre malheureux, soucieux. Il peut même arriver à vouloir se suicider parce qu'il lui manque cette espérance. Mais le chrétien, lui, a cette espérance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Or, en tant que chrétien, paragraphe 47, nous affirmons tout ce qu'il est vivant. Ou que nous avons été vivifiés, ramenés, vivifiés, ramenés de la vie, de la mort à la vie, par son esprit. Ah, notez ça. Et si nous n'avons pas été vivifiés, alors nous n'avons pas été ramenés à la vie. L'Esprit Saint doit venir pour pouvoir vivifier ton âme. Amen. Je continue. Maintenant, nous allons explorer ce sujet. Si le Seigneur le veut. Et enseigner cela pendant quelques minutes. À savoir, avons-nous été vivifiés? La grande question. As-tu été vivifié? Yo, aussi la kiko zoa bomoy. Et pouvons-nous être sûrs que ceci est bien la vérité? Or, il s'agit de votre vie à vous. Il s'agit de ma vie à moi. Oh, c'est merveilleux. Il s'agit de votre vie à vous. Et il s'agit de ma vie à moi. Dieu devait lui-même pourvoir d'un moyen pour faire entrer dans vos corps, dans nos corps mortels, cette vie qui vivifie. C'est lui qui devait pourvoir d'un moyen afin que l'enfant de Dieu participe à l'enlèvement, afin que l'enfant de Dieu puisse ressusciter. Amen. Amen. Donc cet esprit qui habitait en Christ et qui revient habiter en vous, c'est le moyen pourvu par Dieu pour vous vivifier. Amen. C'est ça le moyen pourvu par Dieu pour vous vivifier. Parce que l'homme ne peut pas se vivifier lui-même.
Non, l'homme peut essayer. Il va pécher, il va faire du tort, il se dit lui-même. Bon, comme ça fait une semaine, deux semaines, alors Dieu doit avoir oublié. Quand il vient de faire le mal, il sent que c'est mal. Et quand il fait plusieurs jours, lui il pense que c'est enseveli. Parce que ça fait un mois. Dieu peut vous rappeler le mal que vous avez fait là quand vous étiez dans l'église catholique en train de voler les offrandes. Donc ne présumons pas. Soyons sûrs de la chose. Sinon vous pouvez penser que j'ai été pardonné, vous-même vous pardonnez. Au lieu d'aller confesser. Parce que ça fait plusieurs jours. Nous y reviendrons, Dieu voulant, peut-être dimanche, pour ne pas quitter mon sujet. Donc, cet esprit, quand il vient habiter en vous, il vivifie le croyant, et dans le croyant, il vivifie la vie éternelle. Amen. Amen. Ainsi le croyant ne pourra plus jamais mourir. Il a la vie éternelle. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous limiter à venir à l'église. Ce n'est pas ça le point final. Pas du tout. Comme quelqu'un vient au Seigneur, gloire à Dieu. Mais la personne doit être amenée, doit être aidée. Nous présentons Christ devant lui au point que la personne verra, oh comment Christ est bon, comment Dieu l'aime, et il va tout simplement s'abandonner à ce Christ et marcher dans une vie seule, intime, personnelle avec ce Christ là. Alléluia. C'est ça le but que nous poursuivons. Amen. Amen. Nous ne regardons pas la personne, il est mauvais. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être bien aujourd'hui et puis mal terminé. Quand quelqu'un vient à Christ, tout ce que nous voulons que Christ traite avec lui, nous lui présentons la parole. Mais s'il a péché, est-ce que c'est mon problème à moi? Mais s'il a la parole, cela va l'aider à être ramené à Christ. Mais c'est Christ qui l'a appelé. C'est Christ qui pardonne. Que s'il tombe, il est capable de le relever. Même si un serviteur de Dieu tombe, Christ est capable de le prendre, de le relever. C'est son serviteur. Il y a une relation entre le croyant et son Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as à voir si ce n'est de prier? Et c'est tout, tu te limites là. Que Dieu aide la personne qui est encore en train de boiter. Parce qu'il y a des agneaux, il y a des personnes faibles et qui petit à petit, avec la grâce de Dieu, la brebis tombera malade et puis il y aura le baume, ce médicament qui viendra. Et puis ça va l'aider. Il va se relever et continuer à marcher. Ne restez jamais là, étalé sur terre. Et Satan monte sur vous comme un vainqueur. Non, Satan n'est pas vainqueur. Le vainqueur, c'est Christ Jésus. Et le grand ennemi, c'était la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Le grand ennemi, l'arme puissante du diable,
Il a vaincu. Le diable n'a plus rien. C'est un ennemi vaincu. Alors relève-toi. Si tu m'écoutes cet après-midi, ce ne sont pas les paroles d'un homme. Relève-toi. Car le prophète a dit, si un soldat reçoit un coup, il tombe, il se relève. C'est le message qu'il a dit. Ne te sens pas vaincu, vaincu. Non. Christ a vaincu pour toi. Tu es vainqueur. Tu es de la race de Dieu. Et tu es appelé à vaincre le diable. Amen. Croyez-le et vivez-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que quand quelqu'un vient à Christ, il ne s'arrête pas à l'église. Vous devez, nous venons d'ailleurs de chanter ces cantiques. C'est quoi encore faire avant? Si tu peux me rappeler. C'est en lingala. Kozalobiko na kati na Yesu. Kozalobiko na kati na Yesu. Ezali po na moto na moto. Et c'est pour tout et chacun de façon individuelle. Kotale la moninga na yote. Ne compte pas c'est ton. Ezali likambo. Mais c'est une affaire. Ya molimo na yo. Qui concerne ton âme. Nous ne sommes pas les juges des frères ou des sœurs. Pas du tout. Nous n'avons jamais reçu cette commission d'être des juges des frères ou des sœurs. Si tu veux être juge, sois le juge de toi-même. Alors nous te verrons vraiment que ah, ça c'est un vrai juge. Et essaie de te juger toi-même, tes actions, tes paroles, tes pensées. Amen. Alors là, tu peux juger. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Alors la personne qui vient à Christ doit rencontrer Jésus. Même la personne la plus méchante, la plus mauvaise, il a sauvé des meurtriers. Il a sauvé des prostituées. Le médecin est là pour ceux qui sont malades. Ceux qui croient être juste forts. Non. C'est simplement l'orgueil. L'homme n'est rien. Si vous parvenez à vivre la parole, c'est simplement la grâce de Dieu. Je vous assure, c'est lui qui vient. Il ôte quelque chose en nous. Et cela nous permet de vivre la parole de Dieu. Et quand vous vivez la parole, vous verrez encore quelque chose là qui est en train de flancher. C'est lui qui a vous a délivré. C'est lui qui a ôté l'autre là. C'est lui là même qui viendra ôter l'autre. Vous continuez à avancer. Continuez à croire en lui. Amen. Et vous allez progresser. En venant à l'église, vous devez avoir une expérience personnelle avec Christ. Et frère Banam, parlant de cette expérience, il en parle comme le sable sacré. Où vous voyez Dieu face à face. Amen. Amen. Ne vous attendez pas à voir la colonne de feu. Peut-être comme Paul. Peut-être comme Branham. Si le Seigneur le fait avec vous, gloire à Dieu. Mais spirituellement, il y aura quelque chose qui frappera votre cœur. Comme avec la femme samaritaine. Quelque chose frappera votre cœur et va illuminer. Va amener à la vie cette semence que Dieu a placée en vous. Et vous verrez qu'avec cette chose-là, vous passerez par une expérience. Vous vous sentirez attiré par le Seigneur. Vous voulez vous abandonner au Seigneur. Et vous voulez abandonner le monde. Vous vous abandonnez totalement à Christ. Il y aura une expérience réelle.
réel, véritable, qui se passera dans votre cœur. Parce que la représentation de Dieu se trouve dans le cœur des élus. La profondeur de Dieu se trouve dans le cœur, là dans l'âme au fond, c'est enfoui. Et quand le soleil, quand la parole vient à toi, le Saint-Esprit est en action. Et ce Saint-Esprit fera en sorte que cette semence qui est en toi puisse, comme je dirais, germer. Et c'est fini. Plus rien ne pourra l'arrêter. Amen. Amen. Une semence dans une femme, permettez-moi. Plus rien ne l'arrête. Jusqu'à ce que l'enfant viendra. Amen. Alléluia. Cette semence de la parole en vous, plus rien ne pourra l'arrêter. Même si vous voulez rentrer dans le monde, vous faites un pas en arrière, un pas, quelque chose de surnaturel vous ramènera. Si vous êtes une fille de Dieu, si vous êtes un fils de Dieu, quelque chose vous ramènera. C'est lui le bon berger. Et celui qui part à la recherche des brebis perdues, il est prêt à laisser les 99 pour s'occuper de toi, parce que tu as de la valeur à ses yeux et tu dois saisir cela. Alléluia. Cela te donnera la foi et te fera sentir heureux comme fils et fille de Dieu étant sur cette terre. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Oh, Zambi Langai. Je voulais lire cela, mais je dois avancer. Dès que l'homme entre en contact avec Christ et qu'il le voit comme Paul l'a vu, qu'il vit une expérience avec lui, il n'y a pas assez de théologiens dans le monde, jamais. Ils ne seront capables de par leur explication d'amener cet homme à régner cette expérience. Donc, au début, vous devez faire cette expérience. Même si vous accompagnez papa, vous accompagnez maman, vous accompagnez votre fiancé, mais quand en venant ici, vous demandez à Dieu d'avoir une expérience intime et personnelle avec lui, cela vous aidera toute votre vie. Amen. Ça, c'est une expérience inoubliable. Amen. Mais si vous n'avez pas cette expérience, désolé mon frère, ma soeur, vous serez membre de l'église et l'histoire va se terminer là. Vous ne serez pas vivifié, vous ne serez pas enlevé, parce que tout ce qui vous a intéressé, c'était être membre de l'église des élus. Oh, c'est une jolie église. Oh, c'est beau. Notre pasteur, c'est le pasteur Kalungu. Oh, nous avons cru le message. Et c'est tout. Mais s'il y a cette puissance vivifiante en vous, voilà l'impact, ça va vous apporter quelque chose. Amen. Amen. Ça va transformer votre vie. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose. Je prends question réponse du 23 décembre 1959. L'impact de cette résurrection dans votre vie. Oh Jésus, aide-nous. Je prends le paragraphe 105. Paul a dit, ma chère veut toujours se livrer à ça. Votre chère aussi. Vous voyez? Mais Asi. La loi de l'Esprit de Dieu dans le cœur
triomphe de la chair. Et oblige. Alléluia. Retenons ces mots. Oblige le corps à obéir à ce que dicte le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Ça va obliger cet esprit qui vient par l'impact de la résurrection pour vivifier votre corps, votre cœur. Alors cela apporte quelque chose. Il va obliger votre corps à obéir à ce que dicte le cœur. Amen. Amen. Je descends au paragraphe 107. Pour le temps. Alors, la loi du péché et de la mort agit dans votre chair. Mais la loi de l'esprit de vie agit dans votre cœur. Dans votre cœur, l'esprit que vous avez dans votre cœur obligera votre corps à obéir à ce que lui dicte le cœur. C'est tout à fait ça. Amen. Amen. C'est cette expérience-là. Vous voulez faire le mal. Oui, le mal est tout près. Par cette chair. Mais il y aura quelque chose qui va intervenir pour dicter sa loi de vie. Amen. Amen. Retenez ça. Cet esprit de vie. Cet esprit qui vous vivifie. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas de résurrection, il n'y aurait jamais eu de Saint-Esprit. Il devait mourir, ressusciter, partir pour nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Je vais vous lire certaines citations. Je prends question-réponse du 12 janvier 61. C'est alors que vous saurez l'intérêt, ce qu'on avait dit au début, la problématique, si vous êtes vivifié ou non. La preuve qu'on a le Saint-Esprit au paragraphe 85, à la page 6 pour mes amis de la projection, c'est la vie qu'on mène. Vous voyez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'Esprit, ce n'est pas, on ne trouve ça nulle part dans l'Écriture, le parler en langue. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bienveillance, la douceur, la bonté, la patience. C'est sérieux. Vous voyez donc, c'est ça le fruit. C'est ce qu'on trouve sur l'arbre qui permet de reconnaître de quelle sorte d'arbre il s'agit. Je descends encore. Je vais dans question-réponse du 23 août 1964. Au paragraphe 44. Là, c'était en 1961. Or, ça. Je ne lis pas les deux. Hein. Or, ça, ce n'est pas du tout une preuve du Saint-Esprit. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. On ne peut pas s'appuyer sur le fruit de l'Esprit. En effet, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et je ne connais personne qui déploie plus d'amour que les gens de la science chrétienne. Mais il nie même la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il arrive que les gens imitent le fruit de l'Esprit. Et frère Branham cite les gens de la science chrétienne.
Il dit, il déploie plus d'amour. Mais remarquez, il nie la divinité de Jésus-Christ. Comment quelqu'un qui a l'esprit, le Saint-Esprit manifeste le fruit, et il va nier la divinité de Jésus-Christ. Non, quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Voyez, à ma connaissance, il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit. C'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Là même, les gens de science chrétienne, ils ne vont pas se retrouver. Parce que c'est la foi véritable dans la parole promise de l'heure. Les croyants, ils prennent tout ce qui est du message. L'aigle mange la nourriture. Oh, la nourriture qui saigne. Le véritable croyant, il prendra toute la parole. Parce que dans cette parole, il y a la vie. Amen. Amen. Donc, à ma connaissance, il n'y a qu'une preuve du Saint-Esprit. C'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. C'est à la page 6 pour mes amis. Je descends en bas. Maintenant, écoutez attentivement. Là, ne manquez pas ceci. Voyez, pour ce qui est de fruit de l'esprit, d'être bon et aimable, je pense qu'il n'y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui n'aurait pu surpasser Jésus-Christ dans ces choses. Ils avaient le fruit. Il est allé au temple. Il a tressé des cordes. Il les a regardés avec colère. Puis il a renversé leur table. Il les a chassés hors du lieu. Pas vrai? La Bible dit qu'il les regarde. Qui les a regardés avec colère. La Bible le dit. C'est tout à fait exact. Alors vous voyez, ces sacrificateurs, c'était des hommes aimables, doux, compréhensifs. Pour ce qui est de fruits de l'esprit, ils pouvaient manifester plus de fruits de l'esprit que Jésus. Ils n'auraient plus jamais en produit. Oh mon Dieu, pour ce qui est de la théologie, il ne savait pas, ne voyait pas quel corps il aurait pu sortir. Je descends en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu qu'il était la parole promise de l'heure. C'est très important. Le monde peut vous voir. Voir quelqu'un qui a cru le message. Et même le juger. Parce que vous direz que oh, c'était spirituel. Non, ce n'était pas spirituel. Jésus a pris de quoi? Il a tapé. Peut-être que si moi j'étais là. Moi je suis un croyant. Mais je n'aurais pas critiqué le Seigneur. Ok, si quelqu'un était là, il pouvait regarder. Oh, vraiment, quelqu'un qui dit qu'il est sauveur, quelqu'un qui est comme ça. Il regarde les gens avec colère. Quelquefois, le monde regarde aux choses auxquelles Dieu ne regarde même pas. Parce que c'était l'accomplissement de la parole. Le sel de ta maison me dévore. Les gens ne pouvaient pas être là pour faire des échanges dans les annexes du temple. Non, non, non. Et il s'est conduit comme un diacre.
Amen. Amen. Nous ne savions pas, c'est ce que le prophète a dit. Il était en train d'exercer comme un diacre. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Et c'est ça la preuve. Cette foi authentique qui jaillit en vous, qui n'est pas forcée dans la promesse de l'heure. Message même awa yozali onimi. Quel message t'amène de ce côté ti? Message et même ayo nangamu musu yozali onimi. De l'autre côté ti. C'est la parole véritable. Qu'on critique Frère Branham, le prophète. Qu'on critique le message. Ça n'a aucun impact négatif en vous. Oh, parce qu'on a dit ça sur le prophète. Ah, tout ça, vraiment. Et puis vous rétrogradez. Oh, tu n'as jamais cru. Tu n'avais jamais reçu le message. Tu n'avais jamais fait cette expérience-là. Parce que si tu fais cette expérience-là, c'est parti une fois pour de bon. Alléluia. C'est l'espérance de l'aigle qui quitte le poulailler. Il s'envole. Il va encore rentrer dans le poulailler. Dans une dénomination. Ne trompez-vous. Dieu ne regarde pas à ça. Alléluia. Laissez-moi un peu avancer. Je suis dans l'exposé. Je pense à la page 272, paragraphe 2. Je descends parce que le temps est en train de courir. Même quand moi je vais courir, le temps me précède. Je ne rattrape pas le temps. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Dans la parole, jusqu'au bout. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu nous lit à la parole. Le diable peut imiter tout. Hein? Mais il ne peut pas imiter la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Il peut imiter les dons. Il peut essaye de faire avec les fruits. Mais il ne sera pas la parole avec la parole jusqu'au bout. Mais le lit de Dieu, il sera dans la parole jusqu'au bout. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Judas a échoué. C'est là que des foules échouent aussi. Et quand il ne continue pas dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. Amen. Amen. Voilà le message que vous avez reçu. Quelle est son importance de Alléluia. Alléluia. Parce que vous devez être sûr que moi j'ai été vivifié. Que quand l'enlèvement se produira, il n'y a pas de doute. Son esprit est venu en moi. Et c'est ce que je ressens. Cette foi authentique dans la parole, dans ce message. En tout cas, j'avance avec le message et j'y serai jusqu'au bout du chemin. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Oh Nzambe Nangai. Et une fille. Be, bombo imoko. D'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Ya moto ya tondisa mina molimo mosantu. C'est une fille qui a été transformée. Ezali bombo yo esila kobongwana. Parce que cette parole. Bete liloba oyo. Cette puissance. Nguya oyo. A en elle. Ezana katina yango. Cette parole a en elle. Liloba ezana katina yango. Ce message a en lui. Zango ezali na katina yango. La puissance pour transformer. Nguya pona kobongola. Quand ça entre en vous. Dango koti katina yo. Ça commence à vous transformer. Yango bandi kobongola yo. C'est vrai. Ezali solo. Vous n'êtes pas ce que vous devrez être. Mais croyez que cette puissance qui est dans la parole, qui est venue dans votre cœur, est en train de vous transformer. Si vous n'êtes pas transformé, craignez.
Oh, wanabanga. Craignez qu'il n'y ait pas la vie. Parce que cette parole-là a la puissance pour transformer. Quand la transformation a commencé dans votre vie, par le Saint-Esprit, croyez que c'est l'action du Saint-Esprit et que vous arriverez au bout du chemin. Amen. N'ayez peur de rien. Au kokoma. Ne regardez pas vos efforts. Vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas vous transformer. C'est Dieu qui vous transforme dans une progression, une marche, et vous entrez toujours plus en Dieu dans une marche intime. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne serez pas là le même jour, non. Vous allez flancher, vous allez broncher. Mais après, vous serez affermi. Amen. Amen. Alors, dans, je vais juste lire. Dans Question réponse sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce genre de choses au paradis du 19 décembre 59. Je prends le paragraphe 85 un peu plus en bas. Vous m'excuserez, je suis en train de gagner du temps. Un peu plus en bas, il dit, ce n'est pas ce genre de choses. À ces signes-là qu'on peut reconnaître cela. Le seul moyen de reconnaître de quel arbre il s'agit. A dit Jésus, c'est au fruit qu'il porte. Amen. 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 Les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit. Alors, quand vous voyez une personne qui est remplie de puissance, qui est remplie du Saint-Esprit, alors vous voyez une vie qui a été transformée. Amen. Amen. C'est la façon Amen. D'agir de Dieu. Et je veux vous dire une chose, mes amis, que chaque jour ici, nous rétrogradons. Paul l'a vécu, Paul l'a exprimé. Laissez-moi lire ça. Donc, question réponse du 15 octobre 1961. Parce que pour que vous ne soyez pas ébranlés outre mesure, je ne vous dis pas de minimiser les péchés ou de jouer avec les péchés. Non. Pas du tout. Alors, paragraphe 202. C'est à la page 9 pour mes amis. Oh non, ils n'ont pas ça. 15 octobre 1961. Paragraphe 202. Quelqu'un posait une question, c'était une dame. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'était ça sa question. Alors, si vous aimez Dieu et que vous retournez dans le monde, est-ce que Dieu vous laissera mourir dans le péché ou est-ce qu'il vous réconciliera avec lui avant de vous reprendre? La dame a signé. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'une dame. Vous voyez, parce qu'elle a signé. Oui, sœur, si vous êtes né, maintenant laissez-moi répondre à ça. Vous voyez, temporairement, de façon mineure, tous nous rétrogradons. Gradons bien deux fois par jour. Nous savons cela. Nous sommes tous coupables. Tous. Aucun de nous n'est dans sa perfection. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes encore. Peu importe combien les gens essaient de dire, j'étais sanctifié. Je peux embrasser cette femme ou faire ça. Il ment, il ne le peut pas. Un point, c'est tout. Je descends.
Et alors, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, vous ne le faites pas volontairement. Si vous êtes chrétien, si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous ne faites pas exprès de mal agir. Vos intentions et tout sont bonnes. Mais si vous le faites, comme elle a dit, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, est-ce que Dieu vous laissera continuer comme cela? Et vous laissera mourir dans cet état et être perdu? Ou bien est-ce qu'il vous ramènera à la réconciliation? Il vous ramènera. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est exact. Il vous ramènera. Et d'autre part, si vous faites quelque chose de mal et que ça ne vous condamne pas, que vous continuez comme ça hors du chemin. Oh, moi j'ai la foi authentique dans le message. Oh, moi je suis avec le message. Votre vie doit être transformée. Amen. Amen. Et que ça ne vous condamne pas, vous continuez comme ça, hors du chemin. Souvenez-vous, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas sauvé. C'est vrai, vous n'étiez pas sauvé. Vous aviez seulement un semblant de foi. Ce n'était pas une foi authentique. Vous n'étiez pas sauvé. Mais quand vous êtes sauvé, vous avez un esprit différent. Vous êtes d'une nature différente. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes et ensevelies dans la mer de l'oubli. Vous voyez, amen. Étant donné que vous vivez dans ce monde, il y a partout des pièges qui vous sont tendus. Et vous marchez les regards fixés sur Christ. Et souvenez-vous, quand vous faites une erreur, un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Amen. Amen. C'est preuve qu'il y a quelque chose en vous. Nous avons voulu que les choses soient bien précises. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis en train de clôturer. Alors, nous avons au début parlé de Christ revenant. Sachez que c'est la vérité. Une fois, on a posé une question au frère Branham. C'était la question-réponse du 15 octobre 61. Au paragraphe 201. Qu'est-ce qui est dit? Maintenant, voyons un peu. La dernière question ici, c'était: est-ce que la nouvelle Jérusalem est spirituelle? Non. La nouvelle Jérusalem, Jean l'a vu descendre du ciel d'auprès de Dieu. C'est la vérité. L'un de ces jours, nous serons enlevés et nous irons dans la fête de noces. Ce sont des choses qui sont vraies. Ce n'est plus pour longtemps. Et quand vous entrez dans cela, le monde se détache de vous. Vous commencez à regarder à cette promesse glorieuse qui est devant vous. Ce que nous sommes en train d'attendre, c'est que le dernier élu puisse venir entrer recevoir le Saint-Esprit. Et puis c'est tout. C'est tout ce que nous attendons. Amen. Amen. Et dès qu'il sera là, l'histoire terminée. N'attendez pas une grande prophétie. N'attendez rien. Sinon, Christ qui revient.
Parce qu'il avait promis. Et si cette puissance vivifiante est en vous, vous serez enlevé. Je suis en train de clôturer maintenant. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver ici? Mais il s'est passé quelque chose. Je prends le sceau de Pâques. Du 10 avril 1965. Au paragraphe 85. Maintenant, quand ce Saint-Esprit qu'on peut représenter comme l'aigle survole le pays et qu'il trouve le croyant, Écriture. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi par sa seule volonté. Amen. Amen. Tu es venu à Christ par ta seule volonté. Merci de votre réponse. En Christ en vous. Ça veut dire quand vous vous exprimez à Dieu, hein, répandez votre âme comme un enfant. Si vous voulez le faire comme une épouse, il n'y a pas de problème. C'est lui qui a dit qu'il est notre époux. Tu commences à lui parler. Alléluia. Eh, mais c'est ça, c'est vous et Dieu. Moi je ne suis pas là, le pasteur n'est pas là, le diacre n'est pas là. Alimentez ça, cette relation-là. Vivez le bonheur d'être avec Christ. Vivez le bonheur de communion avec votre Dieu. Il vous dira quantité de choses. Et il vous utilisera d'une manière surnaturelle. Alléluia. Oh, je me sens heureux. Et le Saint-Esprit, sous forme de l'aigle, il survolait. Et lui-même dit que tout ce que le Père m'a donné, il viendra. Mais personne ne peut venir de lui-même. La pensée ne vient pas de vous. L'attirance ne vient pas de vous. C'est Dieu qui attire. Si tu pensais que Christ t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Peut-être que tu passes par des mais pour t'oublier, ah non, Dieu ne peut pas oublier. Il ne peut pas t'oublier. Quand bien même une maman oubliera son enfant, Christ ne t'oubliera pas. Oh, le Saint-Esprit est ici sur terre à la recherche son travail des individus que Dieu a destinés à la vie en cet âge-ci. Amen. Amen. Le travail du Saint-Esprit. Il cherche, il cherche, il cherche. Nous ne nous connaissions pas. Mais voilà que nous nous retrouvons ici. Même si c'est un Indien, vous l'aimez. Le frère Tom qui était ici. Mais c'est comme s'il a toujours été ici. Oh, c'est merveilleux. Et dès qu'il trouve un de ceux-là, il fait exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur Jésus. Christ. Le merveilleux super fils de Dieu qui nous a tous rachetés. Et Christ a manifesté le message de l'heure dans sa vie. Et vous, quand il vient à vous après vous avoir cherché, vous manifesterez la parole promesse de cette heure-ci. Parce que cette vie nouvelle, cette vie éternelle qui habite en vous, c'est ça le potentiel. Je suis au paragraphe 93. Alors, quand cette vie nouvelle éternel habite en vous, elle est le potentiel ou les gages qui attestent que vous avez été vivifiés. C'est ça la réponse. Si vous avez des questions, vous avez eu des questions. Est-ce que je suis vivifié déjà? Je ne suis pas vivifié. Je parle de cette résurrection.
quand cette vie nouvelle éternelle habite en vous, elle est le potentiel ou les gages qui attestent que vous avez été vivifié. C'est ça la réponse. Pour passer de l'état de mortel à l'immortalité. C'était tellement bon, frère Branham dit, je vais répéter ça. Quand cet esprit vous a trouvé, vous, yo, l'individu, moto, et qu'il est venu sur vous, il est le potentiel, ezali makoki, le gage de votre héritage, ndanga ya de votre héritage éternel, que Dieu a eu à la pensée pour vous, et qu'il a préparé pour vous avant la fondation du monde. Il est votre potentiel. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oh, c'est pareil pour nous. Quand vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, il est le potentiel de Dieu qui attend sur vous, qui vous a déjà accepté. Vous êtes scellé dans le corps de Christ par l'Esprit de la promesse de Dieu. Et quand Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez, parce que vous avez été vivifié. Et si vous n'avez pas été vivifié, vous avez encore la possibilité de prier le Seigneur. Si après avoir écouté la parole de Dieu, vous n'avez pas encore cette assurance, venez auprès de Dieu, parlez à votre Dieu, dis Seigneur, je ne suis pas sûr, je voudrais te vivifier. Donne-moi l'assurance. Parce que si vous n'avez pas cette assurance, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas ressuscité. Il faut que vous soyez vivifié maintenant. La puissance qui vous ressuscitera doit être en vous maintenant. La puissance qui va vous enlever doit être en vous maintenant. Et si vous vous rappelez le choix de Rebecca, Eliezer, il nourrissait les chameaux, il abreuvait les chameaux. Quand cette puissance est en vous, vous serez tout simplement en train de l'abreuver. De l'abreuver. Et c'est cette puissance qui vous enlèvera. Parce que Christ a promis qu'il revient pour prendre son épouse. S'il a vécu, si tout a été accompli, il reste Christ revenant. Il va s'accomplir l'un de ces jours. Oh mon Dieu, peuple de Dieu, es-tu convaincu que tu as cette puissance de résurrection en toi maintenant? Ta vie est-elle transformée? Je vous invite à vous lever. Et si vous êtes convaincu, remerciez le Seigneur de vous avoir choisi, de vous avoir élu. Et lui vous amène là où il veut vous faire atteindre. Et si vous avez des faiblesses, comme nous venons de le dire, non, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Nous rétrogradons chaque jour d'une manière ou d'une autre. Si vous avez rétrogradé, revenez à Dieu. Repentez-vous. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Que cette parole puisse bénir vos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa Dieu. Oh Jésus-Christ, réponds ton nom devant Dieu. Et ma sagesse,
Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Le pacte de la résurrection de Christ dans votre vie. Et je marche. Parce qu'il a fait de ta vie une vie transformée. Est-ce que Christ est revenu en vous? Avant que Christ soit zongi, katina yo. Pouvez-vous les sanctifier? En avez-vous la garantie, mon frère? Ne présumez pas. Soyez sûr que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de votre état ce soir. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec votre vie. Oui, ne jouez pas. Un de ces jours, ça sera la fin. Jésus-Christ, le pacte de la pâte dans votre vie ne peut pas vous amener n'importe quelle vie. Comment pouvez-vous vivre votre vie telle que vous la vivez? En prétendant que Christ est ressuscité pour toi. Non, ta vie doit être une vie ressuscitée. Ta vie devait être une vie manifestant Christ. Son sang a brûlé pour moi. Le Seigneur Jésus t'aime. Son sang est à son amour. Non, ne traîne pas les pas. Viens à Christ. Oui, il t'aime. C'est lui qui t'a attiré à lui. Il veut s'occuper de toi. N'aie pas peur. Approche-toi de lui dans la prière. Répands ton âme à Dieu. Dis-lui tous tes secrets. Dis tout à Jésus. Dis-lui tout. Il comprend. Il comprend. Thank you.
Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté. L'âme pleine de reconnaissance. Tu as payé le prix de notre rachat. Oh Jésus. Quel amour. Même quand nous pensions que nous étions en train de chercher Dieu. Non, personne ne t'a cherché. C'est toi qui nous as attirés à toi. Seigneur, et si tu nous as attirés, c'est pour que la résurrection ait ta résurrection puisse avoir un impact dans notre vie. Oh Dieu, laisse-nous être vivifiés par ton esprit afin de participer à l'enlèvement, afin de bénéficier de ta résurrection. Oh Dieu, laisse que chaque âme ici présente et ceux qui ont suivi au loin et ceux qui suivront, Seigneur,
puisse être ressuscité. Conduis chaque âme dans la voie de la résurrection. Oh Dieu, Père Céleste, que personne ne reste. C'est ça notre prière ce soir. Tous ces bien-aimés que nous aimons, tous ces êtres qui nous sont chers, même nos membres de famille, Seigneur, accorde-toi que personne ne reste. Nous savons que ton Saint-Esprit est en train de chercher la dernière brebis. Oh Dieu, accorde que nos enfants, nos bien-aimés, nos parents puissent croire en toi pour le salut de l'âme. Père Céleste, s'il y avait quelqu'un qui avait bronché, qui était en arrière et qui avait peur de se rapprocher de toi, qui pensait que tout était terminé pour lui, laisse qu'il puisse trouver en toi cet après-midi la source, la fontaine, Dieu, de pardon, de miséricorde, la fontaine d'amour, la fontaine de grâce, et qu'il soit réconcilié avec toi. Dieu bien-aimé, pour ceux qui n'ont pas encore été vivifiés, accorde par ta grâce que ta puissance puisse les vivifier. Nous croyons que tu le feras. Quand nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus Christ. Et s'il y en a, Seigneur, qui n'avait pas cette certitude, mais que toi tu as déjà vivifié, accorde-leur de marcher dans cette assurance, de savoir qu'ils sont pèlerins, qui sont étrangers dans ce monde, qui ont été vivifiés pour vivre pour Christ, et qui ne regardent plus au monde, mais que dès lors ils regardent à toi. Bénis le prédicateur. Oh Dieu, accorde-lui encore la grâce, Seigneur, d'avoir la nourriture, quelque chose, pour quand il se tiendra derrière cette chair, et que ton peuple soit béni et nourri. Père bien-aimé, bénis notre pasteur en voyage, nous le recommandons totalement entre tes mains. Sois avec lui durant son séjour à Lubumbashi et quand il sera de retour ici. Nous te recommandons notre prochaine réunion de dimanche, l'école du dimanche et le culte principal. Bénis les offrandes qui seront données, que ta paix et ta grâce accompagnent chacun au moment du retour. À toi la gloire. De la mort de sa mère biologique, Masangu Kabuya. Survenu aujourd'hui, vendredi 12 avril 2024, à 6h. De suite d'une longue maladie. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital Monkole à Mongafula. En attendant le programme funéraire qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil est organisé au numéro 212 de l'avenue Asalusu dans la commune de Selembao. Référence Mère Canon sur l'avenue Bypass. Mère Canon na balabala bypass. Numéro de contact 090 47 48 305. Les frères sollicitent vos prières. Ndeko asenge mabonde na bino. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Pendant qu'on prélève les offrandes, nous allons chanter. Ma vie est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance.
confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'entend les suivre, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse en liberté. Rien n'entre le suivre, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures et les sangs du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel, 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 oui, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel.